Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 5 et malheureusement j'ai pas d'émeraude. Et on est dans un village un peu spécial ici. Une sorte de village des montagnes. Du désert des montagnes. Mais on avait dit qu'on rétrécissait un petit peu. Moi je vais me diriger gentiment vers le milieu. Franchement, là, je suis plutôt pas mal. De la canne à sucre. Le truc que je n'avais pas aux épisodes précédents. Enfin, à la saison précédente. Mais vu que je suis dans un désert, et que je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui est passé par là, mais qui ne l'a pas pris, on va pas se gêner. Quelqu'un a pris de la canne à sucre par ici. Il y a moins de 5 minutes. Ok, donc ils ont dit 500, 500. On va regarder. Bah, moi, je sais bon. Faut qu'on essaye de surprendre quelqu'un. C'est quoi ce truc là-bas? Ah, c'est un cheval. Depuis ici, je sais pas. Ça avait l'air d'un truc bizarre. Si Eorana elle gagne. Comme ça, bah. Non, non. Ouais, give lui. Ouais, quand même. Il lui faut une petite potion de soin, c'est pas du jeu sinon. On est là quand même pour s'amuser. Vous irez voir sa vidéo pour vérifier si elle triche pas. Ah bah voilà! Le village du début. Est-ce que c'est vraiment le village du début? Est-ce que j'ai... ouais. Combat épique. Contre le Québécois. L'ai eu. GG, GG. GG à toi. Là là. Qu'est-ce qu'il a? Une Sharpness 2 en diamant. Ça, c'est magnifique. Un arc. Peur 3. Mais il avait pas de... Ah si, il a plein de pommes. La canne à sucre, les pommes. J'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure.
Il faut que je regarde ces trucs. Alors, pumping, punking. Ça, on s'en fout. Protection 1. Ok, c'est mieux. On le met. Protection 1, protection 2. On le garde au cas où. Protection 1. Ok, c'est mieux. J'ai deux tables de craft. Et les bottes. Projectile protection 1. Ah, il me faut sa tête, il me faut sa tête. Prions ensemble la mort de comment il s'appelle? Kid Cannelloni, qui s'est battu vaillamment dans un combat épique. GG à lui. Voilà. Voilà. Repose en paix. Voilà. Ça, c'était pas mal. Hop, et on brûle la maison. Il a rien d'autre d'intéressant, ça serait cool qu'il y ait de l'or. Son arc, il a l'air pas mal. Ah, il est pas mal. On va récupérer juste au bol comme ça. Si j'ai des trucs. Comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont clear l'inventaire. Ah, c'est pas du jeu. Ça, c'est pas de chance. Faut la laisser tranquille. On est toujours à l'épisode 5. J'ai battu notre ami Kid. Kid Macaroni. Non, Kalenoli. Je sais plus. J'ai mis le feu au village d'ailleurs. Ça m'intéresserait de croiser quelqu'un d'autre. Et avec tout ça, est-ce que j'ai récupéré ma nourriture? Ouais, peut-être c'est du bluff, hein. Mais d'ailleurs, j'ai une selle, moi. Non, j'ai plus. Non, j'ai plus de selle. Il avait une selle, lui. Ça serait épique de faire comme lui. Enfin, quoi qu'on n'est pas très discret, quand même. À cheval. À cheval. Non, j'ai pas de chanson sur les chevaux. Il y a des trucs importants que ça me sert un peu à rien de garder. Par exemple, ça, ça. Ça, c'est important.
Non, j'ai fait le tour. Eh mais, attends. Mon or. Celle-là. Mon or important. Et j'ai encore ces deux pommes. Il faudrait que j'aie quelqu'un d'autre qui ait une pomme. Il avait quand même un Power 3, hein. C'est assez puissant. On va se rapprocher du côté du spawn. C'est assez épique. La forêt, c'est un peu moins bien pour les archers. Bon, ouais, pour Eonara, si je la croise, moi je serais vraiment fair play, je vais pas du tout l'attaquer parce que là c'est pas du jeu. Ça serait un petit peu, ouais. Bah c'est le coup de pas de bol. J'espère qu'ils ont pas fait exprès parce que c'était la gagnante, mais. Quand même, essayez, bon, si elle est la dernière suivante, on se fait un combat à la loyale. J'enlève mon inventaire. Si elle a rien. Bah attends, il y a encore 7 personnes. Hein. Où est-ce qu'on va? On tourne un peu en rond. Et je vois personne. D'ailleurs, ouais, j'ai toujours ma Sharpness 2. Plus 6, et puis celle-là, elle fait plus. Ah, en fait, ouais, Sharpness 2. J'ai cru qu'il avait Sharpness 3, mais j'aurais pas gagné s'il avait Sharpness 3. D'ailleurs, je crois que le premier coup que je lui avais donné, j'avais fait un. J'avais tué. Enfin, j'avais touché son cheval. Je l'avais pas touché lui. Ça sera intéressant d'avoir son retour. Et il va trop se marrer quand il va voir ma prière. Prier le dieu Notch qui m'a autorisé le respawn. Le respawn. Voilà, on a un point assez élevé sur des plaines. J'aimerais bien repérer quelqu'un. Bon. Épisode 5. Est-ce qu'on repart un petit peu à la recherche d'or?
histoire de se refaire un petit peu une petite santé. Une santé en or, pas une santé de fer. Moi, je dis que c'est une bonne idée. Je vais encore tourner en rond jusqu'à la fin de l'épisode et puis si jamais on redescend un petit peu. J'ai pas regardé. Bon, elle a eu ses PV, donc ça c'est cool. Je vais lui demander si on peut l'attaquer maintenant. Attaquer. Si je te croise, j'y manquerai pas. Non, ça c'est le générique de mon... de ma chaîne. Je me rappelle plus comment ça faisait. Non. Oh, une faille si on sautait dedans. Encore oublié l'armure. Quoi qu'ici, c'est un bon coin pour aller s'enterrer. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop! On va partir de l'autre côté parce que j'aime pas trop... Comme c'était là-bas. En fait, je suis assez bon en PvP. J'y pensais pas, mais... Mis à part les dégâts débiles que je peux faire... Je résiste bien. Ouais, mon inventaire est plein. Tiens, on va enlever ça. Ça nous sert à rien. Lui, il m'a repéré. Qui m'embête avec celui-là, c'est que il est un peu mal placé parce qu'il y a ça là. Ok, il est là le zombie. Hey! Ça m'aura quand même été utile, toutes ces pommes en or. Non, il y a encore un squelette. On va se la jouer sur le côté. On va juste refermer. Comme ça, au cas où.
Miam, miam, miam. Et on arrive à la fin de l'épisode 5 déjà, donc on se retrouve pour l'épisode 6. À plus.